tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis un petit peu spéciale parce qu'il s'agit d'un partenariat avec la société New Craft Day. J'ai été contactée par la société vers le 26 ou 27 juillet et ils m'ont proposé de faire une collaboration avec eux, donc j'ai accepté. Parce qu'ils font du diamond painting et c'est ce que je fais. Donc du coup, j'étais d'accord. Donc ils m'ont proposé de choisir des articles pour la somme de 20$. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai reçu le colis hier. Donc hier, on était le 5. Donc ça a été assez rapide hein, parce qu'ils m'ont contacté. Je vais quand même vérifier sur mon carnet. Oui, ils m'ont contacté le 27 et j'ai reçu le colis le 5, sachant qu'en plus j'avais le numéro de suivi, donc je pouvais suivre le colis à la trace. Donc ça a été vraiment très rapide. C'est une société vraiment, vraiment très sympathique, hein. La personne avec qui je communique est très gentille. Donc je vais ouvrir le colis avec vous. Vous voyez, hein, c'est pas ouvert. Hein. J'ai juste caché les coordonnées. Et puis voilà, on va ouvrir ça. Alors dedans, il y a trois toiles. J'ai pris un petit peu toutes les tailles, comme ça me permet de tester. Donc je vais déjà ouvrir la petite. J'ai pris une 30 par 30. Je l'ai trouvée trop mignonne, cette petite bestiole. Voilà, ça va être assez rapide à faire, je pense. Avec sa petite frimousse. On a un toolkit de base. Et le diamant. Alors, on a des strass argent rose, un peu jaune, ouais, un peu jaune, bleu. Ça tire un peu sur le turquoise, les deux là. On en a un plus foncé que l'autre. Du noir. Du violet un petit peu. On a des ronds violets avec des reflets. Et on a des grosses gouttes vertes. Ça doit être pour le collier. Alors maintenant vous me connaissez, vous allez savoir que je vérifie toujours. Donc oui, du coup c'est 30 par 30, c'est la toile du coup. C'est pas juste l'image. Voilà. Mais ça c'est plus une surprise maintenant, c'est un petit peu chez tous les vendeurs. Donc voilà pour cette première jolie petite toile. Évidemment, vous verrez son évolution et je vous la montrerai terminée.
Alors la deuxième, bah, du coup je vais prendre la plus grande. Regardez, c'est la médium pour la fin. Parce que celle-ci, je la connais en fait. Mais... alors attendez. Voilà. Celle-ci, elle est magnifique. Je le sais déjà. Regardez-moi ce lion. Alors là, on a un toolkit, mais il y a une petite pince dedans, une petite pince noire. Je l'ai déjà vu il n'y a pas longtemps, cette pince-là, dans un autre colis. Voilà. Je vous la montre. C'est vraiment... ça colle très bien. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, au niveau des diamants... Alors déjà, on a des petits anneaux comme ceci. Voilà. On a 13 couleurs. 13 couleurs, d'ailleurs, j'ai même pas dit pour l'autre. On en a 9 sur la petite bestiole. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par les strass argent, rose et noir. Toujours des strass jaunes, bleu, un bleu un peu plus clair. Là, c'est un jaune qui tire sur le vert un peu. Violet. Là, on a des blancs AB. On a des ronds nacrés. Des yeux de chat. Gris avec des reflets un peu de toutes les couleurs. Et on a des diamants ovales du coup pour les yeux. On en a 4, c'est bien, parce qu'on en a 2 à poser, mais bon, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver qu'on puisse perdre des diamants, au moins il y en a 2 en plus au cas où. Voilà pour celle-ci, il est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Celui-ci, je le possède déjà, en fait, cette toile-là, je l'ai déjà. Mais je l'ai repris parce que je voudrais le faire pour ma mère. Elle l'avait trouvé magnifique aussi. Et du coup... attendez. Je vais ranger ça comme ça pour l'instant. Voilà, et du coup la dernière toile, j'ai pris un entre-deux, une 30 par 40. Alors, vous savez que j'aime beaucoup, j'adore les félins, mais en toile ou même en coloriage, hein, j'aime beaucoup les chouettes et les hiboux. Je trouve ça mignon. Du coup, j'ai pris un petit hibou. Encore un petit toolkit avec la pince. Je l'ai trouvé trop mignon celui-là, sur sa petite lune.
Donc il possède 13 couleurs. Et il va être très sympa parce qu'il y a même des diamants à mettre dans les yeux, sur les cils. Il va vraiment être joli celui-là. Comme les trois autres, de toute façon, ils sont tous beaux. Alors, on a des strass bleus, argentés, un peu saumon, noir. Ici, on a du rose très foncé, du jaune, un beau jaune, un orange, un jaune bien plus clair, un rose. C'est les deux mêmes roses, ça. Des yeux de chat rose, des petites étoiles jaunes. Des gouttes grises avec des petits reflets multicolores et des étoiles argentées. Oh, il va vraiment être super beau celui-ci. Je me demande même si c'est pas celui-ci que je vais faire en premier. Je sais pas du tout. Alors, on va vérifier. Ça colle vraiment très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, pour les trois toiles que j'ai choisies pour mon partenariat avec la société New Craft Day. Donc je remercie la société de me faire confiance pour collaborer ensemble. J'espère que c'est qu'un début et puis j'espère qu'ils seront satisfaits aussi de moi, de mes vidéos, et puis tout comme j'espère que vous, vous serez satisfait aussi de ma chaîne, de ma vidéo, enfin de mes vidéos. Et puis voilà. Alors du coup, en description, je vous mettrai les liens des toiles, déjà, le lien du site New Craft Day, et puis je vous mettrai aussi un code promo. Parce qu'ils m'ont donné un code promo à vous transmettre. Donc ce sera affiché en barre d'infos. Si je me souviens bien, c'est Erika10. Si je me souviens bien. Mais je vous le mets quand même. Hein, de toute façon, tout sera affiché en barre d'infos. Donc voilà. Donc j'espère que... Bah, de toute façon, je reviendrai vers vous hein, pour vous montrer l'évolution au moins de deux toiles. Peut-être pas les trois, mais parce qu'il y en a une, je la possède déjà, donc je l'ai déjà montrée. Mais je vous montrerai l'évolution de deux toiles, les plus petites, je pense. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, voir... le site New Craft Day si vous ne connaissez pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!